sont morts. Attention, c'est parti. T'es où, Adil? Adil, est-ce que t'as mis une chemise? Ah, tu sais quoi, je vais t'appeler, tu fais trop le malin. Est-ce que t'as mis ta chemise? S'il a pas mis la chemise, je raccroche, hein. Adil Rami, pas Adil Rami. Bah, bah, bah! J'ai gagné ou pas? Bah. Avec les sourcils en quatre roues. Avec les deux traits là, comme ça, les boucles d'or. Hey. Il a mis la veste, il a rien mis en dessous. Hey. Ça fait un wow, hey. Écoute, écoute. T'as mis la musique beau gosse, hein. Bah, bah, bah. T'as pas respecté, hein? Franchement, tu m'as respecté. T'es le seul hein. Là, t'es arrivé, musique, bam. Et le t-shirt, vous savez que c'est son idée. Hein. Tu fais un speed dating et tu mets un t-shirt Adidas. Mais moi, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. C'est mon jeu. Tu m'as donné cette idée. C'est Adil Rami qui m'a donné l'idée. C'est lui qui m'a dit, fais ça, c'est marrant. Il ne fallait pas le dire. Mais si, je le dis parce que c'est pas comme ça. Et oh, franchement, c'est pas trop drôle. Sans déconner, ouais. Je vais en faire un par semaine. Deux par attends, hey, je suis choqué. Je suis choqué, il t'a dit, attends, j'ai pas la chemise. Sa meuf, elle lui a dit. Sa meuf, elle lui a dit, va mettre la chemise. Elle en avait rien à foutre, là. Il n'y avait plus de... Oh, merde. Mais toi, franchement, bien. Hein. Ça, t'as bien honneur, hein. T'as vu? Franchement beau gosse, hein, il a mis la tête. Je transpire. Je transpire pour toi. Mais je suis toujours coiffé. Je me réveille le matin, je suis coiffé. Je me réveille le matin, je suis coiffé. Même dans le football, il me respecte. Mais non, mais c'est pas footballeur, c'est l'homme, l'humain. Ouais, l'homme, allez, vas-y. Fais gaffe, toi aussi, t'as 30 secondes, dépêche-toi. Dépêche-toi, Adil. Là, pendant ce temps-là, j'espère que tout le monde est en train de mettre sa chemise. En train... Ah, tu bois ton petit verre. Santé. Non, moi, je suis à l'eau, là. Là, je suis tranquille. Bah, moi aussi, je suis à l'eau. Ouais, Ah, bien joué, bien joué. Donc, non. Pendant qu'Adil, parce qu'Adil, on va dire que c'est le boss du speed dating aujourd'hui. Regardez comme il a tout fait. Là, il a mis tout. Il n'a pas mis la chemise, lui, parce qu'il a le corps et tout. Que vous avez rep. C'est ça, tu vois ce que je veux dire. Il a mis la veste. Il s'est mis. Ah, les meufs, elles sont en train de craquer, là. Là, tu es en train de les faire kiffer. C'est pour vous, les filles. Regardez, je vous ai fait un petit cadeau, c'est Adil. T'as fait tes sourcils en rack. Tes sourcils, ils sont comme as, frère. Adil Rami, il est comme as. Beau gosse, il a fait des sourcils comme ça. Pourquoi tu ne laisses pas pousser? Hein? Non, parce que là, en fait, j'ai deux trous. Et je demande au coiffeur de faire deux trucs pour que ce soit plus beau. Et là, il s'est enflammé, il m'a fait, tu sais, il s'est endormi, il a fait rack. Ouais. Oh, les filles, elles sont en train de crever de... Elles sont mortes, là. Je te jure, il faut le refaire, le speed dating. Il faut que tu prépares tout. Et ça te déchire. Mais moi, je vais me préparer aussi. Genre, je vais faire comme si on faisait un vrai speed dating. Là, c'est parce que tu étais prise de court. Ton idée, elle était trop bonne. Tu vas trouver l'amour. Ouais. Non, c'est surtout galerie. Mais surtout galerie, c'est une trop bonne idée. Il y a quelqu'un qui a dit que t'es passé sur TF1, Adil. Ah bon? J'ai fait quoi sur TF1? Je sais pas, t'as fait un speed dating, apparemment. Ah ouais. Mais non, je sais pas. Adil, tu t'es fait beau gosse. Je te reprends après, tu restes en direct. Vas-y, je regarde tranquille. Hey, on prépare d'autres trucs. Prépare une ambiance, un truc. Vas-y, je vais essayer. Vas-y, à tout à l'heure.